Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince-Crâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcasts. Mais aussi et surtout sur YouTube, où vous y retrouverez du contenu exclusif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur le Discord de Magic C'est Chic, on est très très actifs. Alors sans plus attendre, on détape ses permanents, on pioche, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 46e épisode du Pince-Crâne. Je suis Bambichon et aujourd'hui avec mon partenaire de toujours Nox, nous allons décider de vous proposer un exercice de pensée sur votre format préféré. Bonjour à toutes et à tous, et alors je me demande si c'est pas le 45e, mais cela dit ça fait un moment que je le note plus, donc c'est un peu le bordel. Non, c'est le 46 parce que celui avec Kikou c'est le 44 et t'en as enregistré un avec... Quelqu'un. Riwan. Ouais. Ou on bipera son nom, je sais ouais, pas. Ouais, non, mais t'as raison, c'est le 46. C'est le 46. Non, mais je fais attention. Je fais attention. Ouais. Alors, aujourd'hui, on est là pour discuter d'un sujet qui secoue un peu Internet en ce moment, à savoir l'équilibrage du commander, ban list perso, ban list officiel, tout ça. Et on a eu droit à un article de qualité là-dessus de notre cher confrère NoFastMana. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de cet article ? Ouais, bah alors, c'est publié sur NoFastMana, mais c'est Riwan hein, qui l'a écrit. Donc, la personne qui est derrière la chaîne Passion Carton, si vous avez pas écouté le dernier épisode. Et ben, c'est un article qui propose de faire un exercice de pensée qui vous propose à vous d'essayer une alternative au commandeur en ajoutant à la ban list le mana positif, donc tout ce qui est anneau solaire, crypte de mana, ce genre de joyeuseté. Ouais, les mox, et aussi les tutors, donc bon, lui il en liste beaucoup, je suis pas forcément d'accord sur tout, on s'en fiche un peu. Mais en tout cas, la discussion quoi. Ouais, voilà, l'article est vraiment de qualité déjà, et ensuite, bah faut pas le prendre comme un truc qu'on imposerait, comme un truc de militantisme, tu vois, mais vraiment comme un exercice de pensée, voire même un mode de jeu à essayer en fait. J'aime bien comme tu dis tu vois, et je sais que c'est pas pour moi, mais tu parles directement à l'auditeur et je trouve ça cool. Ouais, ouais, mais ouais, mais toi, est-ce que tu vois, toi? Bah non, je vois pas, non. voilà, super blague nulle. Du coup, petit disclaimer quand même, hein, on est... Donc, le contenu de cet épisode n'a pas pour but de générer une banlist que nous allons globaliser à tout le monde et que nous allons imposer à tout le monde. On est... pas non plus là pour faire du militantisme, parce que comme le dirait si bien Nox, on a autre chose de plus important à foutre. Donc voilà, on est là pour faire un petit exercice de pensée et vous proposer en tout cas un monde alternatif. Et si ça vous donne des idées ou des pistes pour votre propre playgroup, bah, tant mieux, c'est le but aussi. Un autre truc que j'ai trouvé chouette, c'est d'ailleurs c'est toi qui m'en as parlé et je voulais le souligner, c'est que bah, l'article du coup de NoFastMana, en plus de générer un épisode du Pince-Crâne, ça a aussi généré un Discord qui s'est lancé. Et même si on est tous les deux pas entièrement d'accord avec la manière dont c'est géré ou en tout cas des choses qui sont proposées dedans, bah, moi, je trouve ça cool en fait que la discussion en fait crée des choses, tout simplement. Ça veut dire que entre guillemets on fait pas on n'enregistre pas des podcasts pour rien, on n'écrit pas des articles pour rien, et je trouve ça plutôt cool. Voilà. Ouais, ça soulève deux choses. La première, c'est que effectivement la réflexion pousse aussi, enfin comment dire, il y a une réflexion par ricochet. C'est-à-dire que voilà, on part d'un postulat et on a envie d'étendre un peu le truc. Donc tu parles d'un Discord. C'est un Discord qui s'est créé par une personne qui s'est intitulée Faire EDH. Donc faire dans le sens équilibré. Il a monté un petit site internet, un Discord. Je vous mettrai un petit lien en description. L'idée, c'est de prendre l'article de NoFastMana comme base et d'étendre ça à la banlist et tout, machin. Donc il y a un Discord où il parle de cartes. Voilà, moi je suis pas trop adepte parce que si demain, moi nazi du commandeur, je devais pondre une banlist, je proposerais pas une banlist avec ce mode de réflexion, je proposerais autre chose. Je pense que c'est... Bah, en fait c'est comme la banlist actuelle, plus ou moins, c'est que c'est plus une banlist philosophique que vraiment une banlist technique. On dit ça, 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 c'est non, ça, c'est non, ça, c'est non, ça, c'est non. Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, si je devais faire une banlist, je dirais pas il faut ban
Time Warp, il faut ban les tours sup. J'en sais rien, je dis une énorme connerie évidemment. Parce que... Ouais, alors ça rejoint un peu, ça rejoint un peu ma mentalité. C'est-à-dire que quand je cherche... Alors, il y a différents types de bans, mais notamment, effectivement, il y a ceux-là, il y a ce que j'appelle les bans qui sont mécaniques, c'est-à-dire que, voilà, tout le mana positif, par exemple, ça engendre une mécanique de jeu qu'on peut diagnostiquer comme unfair. Donc, effectivement, il y a peu d'intérêt à ban, juste mana crypt, et pas ban le reste. Cependant, dans des cartes qui ont des designs similaires, il peut y avoir un gap de power level qui fait que, en fait, une est tout à fait ok, et l'autre pas du tout. Par exemple, tu vois, j'avais fait une petite comparaison en message privé avec un auditeur. Grizzlebrand est ban, mais Vilis l'est pas. Et si je voulais vraiment jouer au con, je pourrais dire « Ah, regarde, c'est tous les deux des démons légendaires qui font piocher en fonction de la perte de PV. » C'est un peu de mauvaise foi comme argument. Ouais, bah, y a Asmodeus, il y a, comment il s'appelle, Asmodeus, ou je sais plus comment il s'appelle, qui fait piocher aussi en perdant des points de vie, et tout le monde s'en cogne de lui, quoi. Voilà, donc en fait, il y a bien, entre guillemets, un plafond de verre qui fait qu'une carte est unfair, et là, typiquement... ce plafond de verre concernant le mana positif, c'est de faire plus de mana que ton propre coût. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de pas non plus... Enfin, l'idée derrière le ban du fast mana, c'est de pas accélérer en fait ton tour, sachant que tu vas prendre beaucoup d'avance par rapport à trois joueurs et blablabla. Enfin, vous connaissez la chanson, mais l'idée, c'est plus ça, de dire... si tu veux faire ça, il faut que ça ait un coût. Et ce coût, ça peut pas être 3 points de vie sur un pile ou face parce que c'est trop facile en fait. Non seulement ça tire parti du fait que t'as moins de tours que les autres, et en plus de ça, ça tire du parti que tu as deux fois plus de points de vie. Et du coup, les 3 dégâts que tu vas prendre, ok, sur le long de la partie, ça va faire une différence, mais sur le moment, t'en fous un peu quoi. Et puis en plus, c'est une chance sur deux, donc merci. Bien quoi. Sûr. Et mais en fait, tout le jeu, c'est ça, c'est de se mettre la casquette de designer, dire je me fais un exercice de pensée, parce que je trouve ça intéressant et parce que ça me stimule intellectuellement. Je mets ma casquette de designer de jeu et te dire, ça c'est équilibré, ça c'est pas. Et moi, quand je fais cet exercice de pensée, je fais en sorte de réfléchir à gain sur coût. C'est-à-dire que je veux un ratio de 1. C'est-à-dire que je veux que le coût ait une proportion sur le gain. Et plutôt l'inverse, du coup, gain sur coût peut-être. Mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre dans un design et d'arriver à faire en sorte que l'avantage qu'on tire d'une carte ou d'une combinaison de cartes soit proportionnel au coût. Par exemple, une combo ou une... mauvais exemple du coup, mais une synergie, en fait, on va payer 2 cartes différentes et en fait, en les combinant, on va démultiplier le gain. Mais c'est pas une pièce unique, c'est 2 pièces différentes, donc on va considérer que le coût est plus complexe. Donc c'est pour ça qu'on démultiplie le gain. Alors que Nivid Z Curiosity, par exemple, ça vous coûte rien. Parce que c'est un one card combo et du coup, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas quelque chose qui est intéressant parce que vous avez accès à une des 2 pièces de combo en command zone et l'autre pièce coûte pas cher et elle existe en plusieurs exemplaires et enfin voilà quoi, vous avez compris l'idée. On essaie d'avoir des choses qui nous coûtent vraiment quelque chose. Du fast mana, ça existe sous forme de ce qu'on appelle en anglais les rituels. C'est rituel pyrétique par exemple, ça vous fait du fast mana, mais c'est du one shot, du coup c'est vraiment ce côté je veux m'accélérer maintenant. Et ça vous a coûté une carte de votre main. Et ça, c'est un vrai coût. Alors que juste poser Mana Crypt, ça vous a coûté 80 balles et c'est tout, quoi. Entre guillemets. Non, mais je pense que tu touches du doigt ce qui fait que certaines combos peuvent... peuvent être feel bad. C'est-à-dire que, en fait, le coût est pas assez engageant pour le résultat qui est, des fois, gagner la partie. Typiquement, Demonic Consultation into Tass of Oracles, pourquoi c'est une des meilleures combos, outre le fait que c'est difficile de répondre à la capacité de Tass of Oracles, c'est que en fait, le coût est peu engageant.
et passe notamment par des types de cartes qui sont plus difficiles de tourner autour que des permanents comme des artefacts, oui. Des enchantements, des créatures. Et puis moi ce qui me saoule le plus avec ces combos, c'est que les deux cartes ont absolument rien à voir en termes de deck building ensemble, et du coup ça fait vraiment ça fait tâche quoi. Après bon, voilà, comment dire, c'est un autre environnement, c'est autre chose. Oui. Le jeu a bientôt 30 ans et en fait il y a des trucs qui ont été designés il y a longtemps et voilà, ils existent dans le Commander parce que c'est un format qui est très très riche et du coup bah ça crée le Commander en fait c'est vraiment un pot pourri de plein de trucs et on pioche dedans. Enfin, moi, en tant que joueur, je pioche dedans ce qui me plaît et la façon de jouer qui me plaît, et j'essaye de monter des groupes de jeux en fonction des différents trucs que j'ai envie de jouer, quoi. Et j'entends tout à fait que ce genre de combo et le CEDH, parce que c'est une extension du CEDH, ça plaise à énormément de monde. C'est totalement compréhensible parce qu'il y a une façon puzzle de jouer, enfin, il y a vraiment une façon de jouer où tu vas chercher des lignes de play très particulières. Et je trouve ça vraiment stylé, mais c'est pas le truc que je préfère, et c'est pas dans ce cadre-là que je pratique Magic, tout simplement. Oui. Bon, tout ça pour dire qu'au final, on n'est pas là pour vous interdire de jouer quoi que ce soit, on n'est pas là pour vous dire ce que vous faites c'est de la merde, on est juste là pour mettre notre casquette de game developer, de game designer, et d'essayer de se marrer un coup en faisant un exercice de pensée. Et du coup, je pense que c'est le moment de mettre notre casquette. Hop, attends. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai mis la mienne aussi. Alors, pour le postulat de base, du coup, dans l'idée, c'est qu'on va essayer de s'appuyer un petit peu sur l'article de No Fast Mana, parce que l'article est plutôt chouette, et que ça donne, en tout cas, ça nous stimule et ça nous donne envie de réfléchir. On commence déjà, du coup, par... On va s'appuyer dessus. On commence par ban le mana positif. Je pense que là-dessus, on est plus ou moins raccord là-dessus. Mm-hmm. Si je devais y mettre une petite phrase, de mon expérience de jeu, le mana positif, ça peut être sympathique quand effectivement il y a quelqu'un qui va devenir l'arc ennemi et que les trois vont lui taper la gueule et tout. Mais c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà dit dans les podcasts. Mais de temps en temps, ça va être plus rare, mais ça va arriver quand même. En fait deux joueurs vont avoir du mana positif assez tôt dans la partie et en fait vont créer un plafond de verre qui sera indépassable parce que les deux autres joueurs vont pas du tout être au même rythme et en fait ça va être ça va créer un clivage où vraiment il y a deux personnes qui vont pas pouvoir vraiment jouer parce qu'il va y avoir deux menaces très oppressantes et là pour le coup pour s'allier ça va être vraiment compliqué quoi. Oui, c'est souvent ce qu'on dit au niveau du mana positif, genre oui, il y en a un qui prend l'avantage et du coup les trois autres lui tombent sur l'orable, mais en vrai ce qui se passe, c'est qu'il y en a deux qui prennent l'avantage et c'est un duel et les deux autres se regardent et voilà. Vous voyez la carte avec Nahiri et Sorin qui se battent sur Ravnica là pendant War of the Spark, c'est un peu pareil, on se demande ce qu'ils foutent là. l'autre idée, c'est de ban les 10 tutors les plus populaires. Les tutors qui sont plus ou moins inconditionnels. C'est-à-dire Demonic Tutor parce que ça tuto n'importe quoi, Mystical, Worldly, Unlighted, etc. Enfin, vous voyez un peu tout l'idée, si jamais c'est marqué Tutor dedans, ça dégage. Bon, je grossis un peu le trait, mais vous voyez à peu près l'idée. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça, Nox? Bon, je pense que le premier argument que tout le monde connaît, c'est que c'est un format singleton, et que du coup, mettre des tutors, ça casse un peu la philosophie du format. En réalité... Je suis pas contre les tutors dans le concept du jeu, mais je trouve que le coût de certains est vraiment rédhibitoire. Je pense à Précepteur Vampirique, même à Démonique Tutor, qui est vraiment une carte Joker hein, aussi. Démonique Tutor, c'est toutes mes cartes coûtent 2 de plus. Voilà, je trouve qu'en termes de design, ça pue un peu la merde. C'est pas très intéressant. Bref, c'est souvent des cartes qui sont un peu faciles. En fait, le coût est pas... aller chercher la carte que tu veux, ou alors une carte un peu spécifique, mais qui est pas vraiment spécifique. Je pense par exemple à Zénith de Versoleil. C'est pas si spécifique que ça, aller chercher une créature verte. Généralement, dans ton deck est suffisamment bien buildé pour que ça soit pas restrictif. Donc... C'est un peu... je trouve que le coût est pas assez important. Un autre intérêt qu'on peut y voir,
là où je pense à des cartes comme Mystic Forge Pierre, où je les trouve plus middle déjà. Alors effectivement, tu vas chercher n'importe quel équipement, ça peut tout à fait être dans un deck équipement. Tu vas chercher le truc broken ou le truc que tu as besoin dans ta situation. Mais les équipements étant, eux, un design de carte qui a jamais été très très fort, ou en tout cas qui demande énormément de ressources, ben en fait, je trouve ça moins pété tout de suite. C'est-à-dire un type de carte comme équipement, un sous-type de carte comme équipement, c'est moins problématique que si Mystic Forge Pierre avait dit « Cherchez un artefact et mettez-le dans votre main. » Voilà. Je trouve ça, je trouve que le coût est plus, enfin, le coût en building est plus engageant. Vas-y. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur Mystical Tutor, enfin Mystical, Worldly et Enlightened Tutor. Je pense que c'est des, et même Diabolic Tutor, je pense que c'est des cartes qui à l'époque étaient entre guillemets balance par le fait que tu mettais la carte sur le dessus de ton deck et que tu la mettais pas dans ta main comme Démonic Tutor par exemple. Mais maintenant on sait très bien qu'il y a tellement d'effets qui existent pour tricher les cartes dessus de la bibliothèque que bah en fait ça a plus vraiment de sens. Qui a jamais fait un Mystical Tutor en réponse à un trigger de Yuriko par exemple, ou des trucs comme ça quoi. Enfin, c'était un coup je pense à une époque. Et Magic a évolué et c'en est plus un maintenant, en fait c'est juste un avantage, un peu comme Brainstorm, tu vois. Brainstorm, on disait oh là là, c'est moins fort qu'Ancestral Recall parce que ça remet deux cartes sur le dessus, mais en fait en vrai, les deux cartes sur le dessus, tu les reveux, tu vois. Parce que tu veux que ton Delver, bah, il se flippe ou des trucs dans le genre. Enfin, il y a des choses qui ont plus de sens en fait au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'avais pas nécessairement pensé au côté abusable et potentiellement synergique que peuvent avoir ces cartes avec autre chose. Mais oui, tout à fait, clairement, ça peut clairement avoir un impact. Mais il y a un autre aspect, moi, qui me saoule, c'est plus dans l'ergonomie du jeu. Ouais. C'est le fait d'aller chercher, en tout cas en partie de Commander... Cycle d'Icris. aller chercher une carte dans Magic, ça prend beaucoup de temps de jeu. Et c'est pour moi, c'est vraiment soporifique. Vraiment... En commandeur, on est 4 à la table. Si on va tous chercher des cartes, si, admettons, on va tous chercher au moins une carte à notre tour et qu'on la joue immédiatement, ça prend du temps. Des fois, tu vas même chercher quelque chose, mais bah, tu sais plus trop ce que tu vas chercher. Si tu sais vraiment ce que tu vas chercher, c'est que tu pratiques régulièrement ton deck. Mais dès que tu commences à avoir un peu de deck, typiquement, j'en ai un peu plus d'une dizaine, bah, tu vois, il y a des decks que j'ai envie de rejouer, je n'ai pas joué depuis longtemps. Peut-être 6 mois, et j'ai pas la liste en tête. Et du coup, bah, t'es là et tu dis, bon, je vais chercher un truc, je vois à peu près vers quoi je vais me diriger, je vais me chercher vers un truc qui pioche, je vais me chercher une solution, un machin. Mais du coup, je vais parcourir tout mon deck pour trouver la carte idéale. Et ça prend un temps de jeu qui est considérable, et que tu multiplies par le nombre de fois où tu l'effectues. Et je pense très sincèrement que ça peut bouffer très facilement 15 minutes de temps de jeu dans une partie. Ça peut aller loin. Ouais. Quoi. Puis comme tu dis, en fait, il y a ce côté je connais mon deck, du coup je vais chercher la carte qu'il me faut sur le moment. Ça, c'est dans la situation idéale où bah, vous connaissez votre deck, vous savez dans quelle situation vous êtes et vous savez exactement la carte qu'il vous faut. Mais combien de fois, en fait, on voit des tutors et le mec fait ah oui, c'est vrai que je joue ça. Ok, bon, ça, je la mets de côté. Ok, ah mais en fait je voulais chercher ça à la base, mais en fait j'ai vu ça et du coup je la mets de ce côté aussi. Après il repose son deck, il regarde les trois cartes, il fait ah mais attends, mais il y avait ça aussi dans mon deck. Et puis ouais, et tu parles de moi là en fait. Non mais typiquement je suis comme ça. C'est pour ça que de temps en temps, tu vois, avant la game, souvent je regarde sur mon portable la liste. J'ai toutes mes listes sur Moxfield. Et du coup je regarde, c'est pour avoir le deck un peu en tête, notamment parce qu'en plus je fais des catégories, tu vois, donc j'arrive à dire ah ok c'est bon, et je sais que rien qu'en faisant une petite relecture, bah je vais économiser du temps de jeu à tout le monde, parce que je sais un peu plus où je vais aller quoi. Ouais. Et puis faut pas oublier qu'il y a aussi l'aspect juste mélange du deck, on joue des decks de 100 cartes. Ouais. Et du coup bah il y en a qui ont de la chance comme moi, qui ont des grandes mains et qui sont relativement agiles de leurs doigts, et il y en a d'autres c'est pas le cas, et du coup galèrent à mélanger leur deck à chaque fois, et c'est pas triste à voir, mais du coup bah ça prend plus de temps encore. Et surtout si bah comme plein de gens vous le faites en end step du joueur qui est juste avant, vous faites ça avant de prendre votre tour. Et alors on avait dit qu'on se plaindrait pas trop et qu'on se moquerait pas trop des gens, mais s'il vous plaît fetchez à un moment où vous savez que vous avez le temps de mélanger après. Juste faites ça pour vos potes à votre table.
ça fera plaisir à tout le monde. Et du coup, on en arrive, on en arrive du coup naturellement, parce qu'on est incroyablement fort en transition, à notre dernier choix, qui est du coup le choix sur lequel on voulait discuter au final, quelque chose qui n'a pas été trop proposé, je trouve, en exercice de pensée, et qui nous a été proposé par notre cher Nox, que je trouve hyper intéressant, parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que je déteste les decks 5 couleurs. Les fetch. Oui, alors c'est pas moi qui ai lancé l'idée, on peut le retrouver à la fin de l'article sur No Fast Mana. Mais effectivement, ban les fetch. Pourquoi ban les fetch? Pour plein de raisons. Mais il y a un truc structurel dans Magic, c'est-à-dire que jouer plus de couleurs, c'est possible, mais il va falloir stabiliser votre mana base. Encore et une fois, donc, voilà. Il faut que ça ait un coût. Tout à fait, il faut que ça ait un coût. Le souci, c'est que les fetch existent et que en commandeur, on traite ça par l'identité de couleur de notre commandant. Donc, il nous suffit de jouer un commandant 5 couleurs pour avoir accès à toutes les couleurs. Et que la perte de points de vie des fetch, des Ravland, ce genre de choses, a beaucoup moins d'impact dans le format. Et le fait qu'on ait accès à toutes les cartes qui ont existé dans Magic, notamment au niveau des terrains, et ben fait que en commandeur, en fait, on a les mana bases les plus permissives pour faire du 5 couleurs, au point où, et oui, je l'affirme, monsieur, non, c'est bien plus facile de stabiliser un deck 5 couleurs que un deck bicolore. Le fameux débat dans lequel on ne rentrera pas parce qu'on n'a pas le temps pour ça. C'est pas un débat, c'est les faits, monsieur, c'est les faits. Bref, en fait c'est très très simple, hein, parce que derrière il y a les trinômes, derrière il y a les bilans, derrière il y a les ravelands. Bref, on peut aller fetcher dans toutes ces joyeusetés, limiter le coût en PV si on décide d'aller chercher par exemple un Tangoland ou un trinôme. Mais par contre, si on veut le tempo, ben, on va plutôt aller chercher un bilan ou un ravelands et payer des points de vie supplémentaires. Mais en réalité, tout ça n'a pas vraiment d'impact. On va facilement avoir accès à nos 5 couleurs, mais surtout grâce au fetch. Et puis surtout, ce qui est important aussi à comprendre dans le deck building d'un deck 5 couleurs, c'est que vous ne faites jamais un deck 5 couleurs. À part quelques decks très rares comme Jensen, par exemple, ou l'autre du préconstruit, je ne sais plus, où vous allez vouloir lancer des sorts 5 couleurs. En général, votre deck 5 couleurs, c'est un deck sous taille Splash Boros, par exemple, où il y a vraiment des couleurs qui sont très 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 minoritaires, et du coup bah, vous allez avoir besoin de 3 couleurs dans votre mana base, et après vous allez chercher le reste incidentellement, c'est-à-dire qu'en gros vous allez prendre le triome Golgari parce que c'est absolument ce qu'il vous faut, et vous allez rajouter le blanc parce que vous savez qu'à un moment vous aurez besoin du blanc ou un truc dans le genre, quoi. Pour revenir sur cette histoire de coût aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, là, le coût en commandeur de jouer 5 couleurs, il est très minime. On va partir du principe, évidemment, que vous avez accès à toute la mana base, vous faites des proxys, ou vous avez un budget illimité, on s'en fout. C'est que comme vous avez accès à tous les lands qui valent cher, bah, vous savez que vous pouvez jouer ce que vous voulez. Et moi, mon argument principal, toujours, contre les decks 5 couleurs, c'est que si vous jouez 5 couleurs, c'est que vous allez jouer toutes les meilleures cartes qui sont à votre disposition, et il y a un manque de créativité. Moi, c'est vraiment ça, ce contre quoi je suis pas hyper, hyper pour, en tout cas, sur les decks 5 couleurs, c'est que bah, c'est censé être la terre de la créativité, en fait, le commandeur, et jouer 5 couleurs, bah, ça n'a pas de coût, parce que vous pouvez jouer ce que vous voulez, et du coup, vous n'avez pas de restriction, en fait, au niveau de vos couleurs. Moi, j'aime bien jouer des decks monocolores, parce que les decks monocolores, bah, va falloir essayer d'aller chercher des effets un peu similaires, mais dans les couleurs dans lesquelles vous jouez. Et des fois, bah, c'est pas assez bon, ou ça fait pas les mêmes trucs, quoi. Peu importe. En fait, le fait d'avoir accès à toutes les... Le fait d'avoir accès à une mana base très stable en couleurs fait que, effectivement, tu as accès à toutes les armes de toutes les couleurs. Et en fait, la color pie n'a plus... perd de son essence. C'est ça. C'est-à-dire, voilà, tu as accès à toutes les armes. Donc, théoriquement, ton deck peut interagir avec tout. C'est ça. Et même potentiellement avoir tous les axes d'attaque. C'est un peu emmerdant dans le sens où il n'y a pas de vrai coût à ça. Et y a, bref, voilà. On arrive à ce qu'on disait tout à l'heure. Énorme avantage, coût très faible. Bah le coût
en fait, qui existe en fait en un contre un, bah, c'est que ton fetch land, bah, il te coûte un point de vie. Ton Ravland, il te coûte deux points de vie. Je parle du moderne et du pionnier, on va éviter de trop parler du legacy. Mais il y a un vrai coût en fait qui est bah, de. Si tu veux que ton Ravland il arrive untap de la bonne couleur, il faut que tu payes 3 PV. Et 3 PV sur 20, bah, je sais pas vous dire que c'est pas mal. Sur 40 points de vie, sur un format qui est long et vous avez des effets incidentels pour gagner des points de vie, bah 3 points de vie c'est que dalle en fait. Et c'est ouais, ça et le puis... vrai problème. Et l'autre vrai contre-coup principal, alors effectivement il y a les PV, mais quand tu prends un format comme le pionnier et le standard où les fetch n'existent pas, et ben le vrai contre-coup c'est la stabilité. C'est-à-dire ouais. que tu ne peux pas t'amuser à jouer soit des sorts trop colorés, soit beaucoup de couleurs, parce que en fait ta mana base ne te le permet pas. Ton deck ne sortira pas. Et moi c'est ce contre-coup-là qui m'intéresse et que je trouve vraiment le plus pertinent en termes de game design. C'est-à-dire que tu veux avoir accès à tout, et bien ça va impacter ta régularité. Oui, tout à fait. Et après, il y a des contre-arguments comme World Tree ou Lanterne Chromatique ou des choses comme ça, mais c'est des trucs qui sont très incidentels, je trouve, par rapport à ce qu'on est en train de, à ce qu'on est en train de raconter. Eh ben, je trouve ça intéressant que tu cites ces cartes. Typiquement, Lanterne, c'est un caillou qui coûte 3, et en fait, tu vas gagner en stabilité, mais tu auras payé 3 mana pour le faire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en termes de tempo, ça veut dire que c'est que à partir du tour 3 que tu vas pouvoir avoir une stabilité. De la même façon, l'arbre monde, il me semble qu'il faut 7 landes, 7 ou 8 landes, je sais plus tout à fait de mémoire, mais je vais fact-checker ça tout de suite. Tu n'as pas accès à la stabilité tout de suite, et en plus, c'est un land qui arrive à engager. Donc, il a un. World Tree a un vrai coût. Ah non, je te dis peut-être de la merde. C'est 6 ou plus. 6 ou plus, voilà. Oui. Oui, c'est ça. Il y a des coûts. Après. Il existe un monde, bah c'est le monde du passé, où les cailloux à 3 c'était la classe, et maintenant, bon, les cailloux à 3 ça pue la merde parce qu'on veut des cailloux à 2, mais moi je me souviens d'un monde du Commander où Commander Sphere et Lanterne Chromatique, bah c'était des cartes qui étaient cool à jouer. C'est plus le cas maintenant, mais bon. Et voilà. Donc, sur le papier, j'ai rien contre les fetch, mais je trouve que leur coût est pas... Enfin, je parle des trous fetch, ceux qui ont été initiés à Carnage et dont la fin du cycle a été produite sur Tarkir. J'ai rien contre sur le papier, je trouve que le coût n'est pas assez important. On parlait du coup d'instabilité des decks, et d'après toi, donc moi je vais essayer de... Dans l'idée là de un monde sans fetch, on va essayer de découler un peu pour voir où est-ce qu'on va, tu vois, qu'est-ce que ça engendrerait. Et on parlait d'instabilité de deck, et du coup, pour toi, si les decks sont plus instables, est-ce que ça veut dire que, par exemple, les parties seraient plus longues? Alors, oui, en tenant compte aussi, excuse-moi, je rajoute un dernier truc, c'est en tenant compte aussi qu'on a retiré les tutors. Oui, ok. Alors, comme je disais juste avant, l'idée, c'est pas de retirer tous les types de fetch. L'idée, c'est de retirer les 10 meilleurs, et pourquoi pas y inclure Prismatic Vista, parce que je trouve que c'est un peu dans le même gabarit. L'idée, c'est de garder quand même les fetch tap. L'idée est pas de supprimer complètement 5 couleurs, mais il faut qu'il ait un contre-coup, donc soit ça va se jauger par de l'instabilité, soit ça va être par de la perte de tempo, parce que quand tu fais arriver un land tap, bah tu perds du tempo. Donc, voilà, ton gain c'est je joue plein de couleurs, donc j'ai accès à plein d'arbres, cependant je vais déballer moins vite. Donc l'instabilité pour moi en termes de mécanique de jeu c'est frustrant. Personne n'a envie de jouer un deck instable, personne n'a envie de voir un deck et d'être en color death pendant toute la partie. Cependant je trouve que jouer avec un tour de tempo de décalé vis-à-vis du gain, je trouve ça acceptable. Je joue Kin Ninefinger, donc porte. La très grande majorité, enfin une bonne majorité des lands du pack arrive tap. Le deck vit très bien, il y a pas de souci. Par contre, je perds effectivement le tempo. Les menaces de début de partie sont problématiques. Donc, je vais devoir adapter mon build et aller chercher des réponses. Parce que je sais que tour 1, 2, 3, je vais pas forcément être bien dans les clous. Et donc, du coup, bah, il va y avoir un moment de la partie où je vais devoir faire de la gestion parce que tout ce qui se sera passé avant
J'aurais pas été là, quoi. Ouais, mais tu peux toujours aller chercher la porte qui avait fait arriver les portes d'étape. Exactement. Mais voilà, il y a des synergies, bien évidemment. Mmh, mais je trouve que le contre-coup est impactant, mais pas suffisamment pour te gâcher la partie. Là où l'instabilité, ça te gâche vraiment une partie, quoi. Oui, on est d'accord. Le nombre de parties que vous avez faites ou que vous avez vu jouer par une personne en face de vous et qui juste bah, fait draw, discard, go. Bah c'est pas drôle quoi. Enfin, je pense que vous l'avez tous vécu donc ça c'est pas super rigolo. Mais c'est ça, il faut qu'il y ait un coup en fait. C'est encore une fois. Est-ce que tu penses de la même manière que si on cutait les fetch, les true fetch pardon, tout ce qui est la rampe qui est pas verte du coup, il y aura une recrudescence de tout ça. Notamment, je vais donner quelques exemples, donc dîme de mana et consort, hein, tout ce qui va générer du mana de manière récurrente, les trésors, donc la génération de trésors, tous les cailloux. Est-ce que du coup la rampe verte serait toujours, enfin serait du coup meilleure en fait, encore meilleure que ce qu'elle est actuellement? Alors, oui et non. C'est-à-dire que ça changerait pas l'opposition, qui est, enfin l'ascendance que vert a déjà vis-à-vis des cailloux. Enfin, je pense pas que ça changerait ce problème. Par contre, effectivement, tu parlais de commande sphère et lanterne, je pense que ça serait potentiellement des cartes qui reviendraient. Parce que dans la mesure où tu veux jouer beaucoup de couleurs, bah, tu veux plus de stabilité, tout ça. En fait, je suis désolé, je digresse un poil, mais ce genre de choix de supprimer les fetch, ça va avoir des conséquences sur ta position de building. Soit tu veux jouer, admettons tu joues Ur-Dragon, pour moi il va y avoir deux façons de builder. Il va y avoir, dire je veux jouer des dragons un peu de toutes les couleurs, donc du coup bah, je vais choisir de perdre en tempo pour gagner en stabilité et pouvoir jouer mon deck correctement. Ou alors dire bon bah la majorité des dragons sont très rouges, du coup je vais jouer un deck rouge, splasher les quatre autres couleurs. Et du coup, moins perte de tempo que si j'avais joué vraiment, vraiment toutes les couleurs. Et encore, je suis pas entièrement d'accord, parce que tu pourrais juste jouer un deck mono-rouge, parce que Ur-Dragon, c'est pas contre ton exemple, mais c'est un peu un mauvais exemple, parce que tu peux juste ne pas jouer Ur-Dragon, en fait. Oui, tout à fait. Enfin, on est d'accord. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs façons de builder dans un monde sans fetch, alors que dans un monde avec les fetch, ben en réalité tu t'en fous un peu quoi. Mmh. Oui, bien sûr. Parce que tu fetch into Trinome et t'as ta stabilité, voire même tu fetch into Biland parce que finalement en main bah, t'as pas besoin d'avoir 8 milliards de couleurs. Mmh. Bref. Pour revenir sur les rampes verts, effectivement c'est des outils de stabilité qui sont plus pertinents que des cailloux, que des talismans, que des cachets. Un plan de jeu équivalent, pas un plan de jeu affinité ou artefact. Ouais, bien sûr, mais ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Vert, ça te stabilise ton mana et je pense que ça fait partie de la color pie. Je pense pas que ça donne un si grand ascendant que ça, d'autant plus que en fait tu vas pénaliser le vert quand même en retirant les fetch, tout simplement parce que tu vas donner un tour de tempo de retard à tout ce qui est les mécaniques landfall. Mmh, carrément, ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que landfall va risque d'être ultra impacté si, bah, effectivement, les fetch sont ban, quoi. Enfin, encore une fois, les true fetch, on s'est compris. Parce que oui, évidemment, bien sûr que tu as envie de profiter de toutes tes arrivées en jeu de terrain, et quoi de mieux que d'en avoir deux quand tu joues un fetch et de pouvoir jouer correctement. Alors qu'effectivement, encore une fois, si ton land il arrive tap, bah oui, t'as eu tes deux triggers de landfall, mais en attendant, bah ton land tu peux pas t'en servir, ou alors tu devras t'en servir le tour d'après, et du coup c'est moins impactant, et c'est ça. Et du coup, c'est la question que je me pose, et que bah, je vous invite toutes et tous à vous poser, c'est si demain il n'y avait plus de fetch, les 10 true fetch, plus Prismatic Vesta, est-ce que vous joueriez les fetch, ce qu'on appelle les fetch du pauvre, les fetch qui font arriver un land tap ou qui arrivent eux-mêmes tap et qui vont chercher un land dégagé, est-ce que vous joueriez ces cartes-là ou pas pour aller chercher la stabilité, ou alors vous préféreriez conserver votre tour de tempo
Et c'est compliqué. Personnellement, ma réponse, je vais un peu botter en touche, je dirais que ça dépend du deck. Je vais évaluer les decks en fonction de à quel point ce tour de tempo est précieux. Et tous les decks qui veulent jouer les couleurs et du coup aller chercher la partie un peu plus dans le long terme, bah sans hésiter, je jouerai les slow fetch. Tu veux ma réponse? Vas-y. Je joue pas de fetch parce que j'en possède pas. Tout simplement. T'es un pauvre. Eh ouais. Bah, c'est à la fois une question de budget et à la fois une question de conviction. Je possède zéro true fetch. Et du coup, je n'en joue dans aucun de mes decks. Mais du coup, de la même manière, incidentellement, bah, je joue que des decks monocolores et bicolores. D'accord. Mais après, bon, c'est un choix aussi, un challenge de builder. Oui, mais c'est surtout aussi parce que en général, bah, j'ai pas envie d'investir dans une mana base tricolore. Parce qu'une mana base tricolore, c'est long à assembler en fait. À part si évidemment t'as tout en 4, 5, 6 exemplaires. Tu vois, si t'as une petite boîte avec ceci et le mana base prêt pour un deck Jeskai, ceci de mana base, etc. Mais comme je suis moins builder fou que certains et que mes decks, j'aime bien les construire avec les cartes que j'ai sous la main, les cartes que je trouve dans les classeurs des copains, les trucs dans le genre qui me font marrer, et ben j'ai pas de mana base en fait à disposition. Et du coup, bah, je préfère jouer des decks bicolores ou monocolores. Moi, avec la même problématique, j'ai décidé de jouer les proxys. Mais c'est deux façons différentes de gérer la problématique. C'est ça. On est tous les deux pauvres en fait. tu possèdes quand même un bilan de deux chaque, mais bon, c'est notre histoire. On a tous les deux d'autres priorités, je pense, surtout. Oui, c'est ça. Je possède même pas de bilan en plus, hein, c'est en train de me dire. Alors, paradoxalement, j'ai un berceau de Gaïa, mais j'ai pas de bilan et j'ai pas de fetch. Voilà. Et j'ai très peu de Ravland aussi, je suis en train de penser maintenant qu'on en parle. Il y a plein de decks où j'en ai pas, et j'ai même un deck. Mon deck Boros Plume, qui est ultra vénère. Mais que j'ai nerfé en rajoutant plein de taplandes. C'est-à-dire, le deck est très très fort, enfin je le trouve très fort en tout cas, et j'ai un winrate qui est assez élevé avec. Mais dedans j'ai rentré tous les taplandes possibles Boros, et même ceux qui font rien. Genre j'ai mis Porte de Guilde, j'ai mis Carrière de Pierre, qui est juste un land qui arrive en joueur engagé, qui fait du rouge ou du blanc. Et ça me permet du coup d'avoir entre guillemets un tour de retard quoi. Même si ça marche pas, mais... Enfin ça marche pas. Je dis pas que mon deck est imbattable, hein, mais... T'es une personne détestable. Bon. Mais en vrai, c'est juste... En fait, juste pour digresser un tout petit peu, c'est juste une autre manière de jouer, en fait. C'est juste que bah, t'es ta plante, bah, tu vas les jouer en premier, tu vas rien faire, et tu vas regarder les autres un peu s'installer, et après tu vas monter en puissance parce que t'as décidé de garder tous tes basiques en main, en fait, pour bah, les tours suivants, ou tu vas essayer de piocher pour aller piocher un land qui arrive d'étape, et après, et continuer de jouer tes land tap, en fait, sur les 3-4 premiers tours. Voilà. Non, mais enfin, bref, ce deck-là, de toute façon, est très, comment dire, est un deck plutôt réactif, et donc du coup, il a une forte, il s'adapte beaucoup aux tables. Oui. Il s'adapte beaucoup à ce que fait la table, et donc du coup, forcément, bah, derrière, il te donne beaucoup de choix et empile du CA un peu dans tous les sens. C'est ça. Et on parlait tout à l'heure de temps de jeu. Je pense que c'est un de mes pires decks parce que c'est le deck où je joue à chaque fois à la fin de tour de chaque adversaire. Et du coup, c'est horrible. Enfin, honnêtement, à chaque fois, je le joue. J'adore le jouer hein, parce que c'est un casse-tête, c'est un puzzle. Tu fais du CA de malade et tout. Mais en contrepartie, bah, t'es toujours là. Avant la fin de ton tour, je vais faire ça. Ok. Je vais blinker mon Doxa d'Extorsionniste. D'accord. Ensuite, j'ai pioché ça. D'accord. J'ai pioché ça. D'accord. Vas-y, à toi. T'as fait ton tour? Ok. Avant la fin de ton tour, je vais blinker mon Doxa d'Extorsionniste. Ok. Bon, j'ai joué ça pour piocher. Voilà. Ok. Bon, retrouvez le podcast sur Plume. Bon, pour revenir sur les fetch, du coup, après avoir pas mal discuté, que ce soit avec toi ou d'autres joueurs sur cette base théorique, bah, j'ai regardé mes listes. Et ouais. Je me suis demandé quel deck serait vraiment impacté. Alors, bien évidemment, tous les decks qui tournent autour des landes. En réalité, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pardon, 16 decks. Sur les 16 decks que j'ai, en fait, il n'y en a pas tant que ça qui sont impactés. Je pense que le plus impacté, ça serait certainement Sliwit 5 couleurs.
parce qu'il joue vraiment un peu de sleeve de chaque couleur, et là c'est vraiment très très emmerdant. Donc on va, donc je pense que il va falloir mettre plus d'outils pour stabiliser, parce que tu veux garder les meilleurs sleeve. Mais ce qui est assez je reviens un petit peu à ce que je disais sur Lord Dragon, c'est à dire que actuellement cette version du pack est très agressive. Si je veux stabiliser ça, je pense que ça va me coûter le tour de tempo. Du coup, je pense partir carrément sur un autre plan de jeu si je retire les fetch, et bah, aller chercher des sleeve 8 qui coûtent potentiellement un peu plus cher, jouer plus de rampes et moins jouer sur le début de partie et jouer un peu plus sur, sur la fin de partie. Mais du coup, ça change vraiment énormément le building. Sinon, au-delà de ça, les decks très colorés, enfin, pardon, les decks très qui tournent autour des terrains, comme je disais. Donc, voilà, si je cherche à provoquer le Landfall ou ce genre de choses. T'avais un Paco et Aldan dans le Landfall à un moment où j'ai rêvé. Alors, oui, j'avais un deck Paco et Aldan. Alors, il était effectivement il était pas tout à fait Landfall dans la mesure où, en fait, il cherche plus à provoquer des. Comment dire, il cherche plus à pouvoir jouer des landes supplémentaires, plus que vraiment faire des triggers d'arriver en jeu de landes. Tu vas t'amuser à jouer les landes de tes adversaires, mais hormis quelques bêtes, voilà. Ouais, okay. C'est, donc, j'ai. Voilà, je trouve que le fond d'un. Je vais recommencer ma phrase. Je trouve que l'intérêt final de virer les fetch, ça va être vraiment de nerfer 5C, 4C et de recontrebalancer en fait ce que c'était à l'origine, c'est-à-dire de accéder à plein de cartes de Magic, ça a un coût, si tu veux payer ce coût, très bien, mais voilà, l'idée c'est que les decks avec peu de couleurs rejouent un peu plus à armes égales avec les decks 5C. Je suis on ne peut plus d'accord sur cet avis, pour des raisons évidentes. est-ce que t'as autre chose à rajouter sur les fetch? Bon, tu gagnes du temps de jeu. Moi, je vais étendre mon avis sur les fetch. Vas-y. J'aime bien être un peu touche-à-tout dans Magic, et du coup tester plein de formats, et notamment le Dandan, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment très bien. Et j'aime bien jouer à d'autres formats, notamment le Modern. Le Modern, c'est un format que j'aimais bien pendant un moment, et bon, le format est devenu complètement unfair maintenant, et ça me saoule, mais je trouve qu'en Modern, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est trop facile de jouer 4C, 5C, parce que tu vas aller fetcher tous tes landes qui font 3 mana et les machins, et le coût de 1 point de vie, même en moderne, je trouve qu'il n'est pas assez élevé au vu de la vitesse du format, et ça me saoule. Et ça me saoule, en fait, l'existence des fetch, tout format confondu, me dérange, parce que c'est une manière pour Wizard de dire « c'est ok que vous cassiez la color pie », en fait. Le fait de... Comment dire? Je vais essayer de construire un peu plus mon avis. Je pense que quand tu es game designer, sur un jeu au global, sauf quand c'est un jeu qui a 30 ans et c'est difficile de ne pas faire d'erreur, mais quand tu es game designer sur un jeu au global, tu essaies toujours de faire en sorte que il y a un message qui soit passé au travers de ton game design. Parce que tu peux pas faire des statements en disant « Oui, allez-y, jouez 3 couleurs maximum, c'est tout. » À part dans l'Orcana, tu vois. L'Orcana, c'est dans les règles de base, c'est tu n'as pas le droit de jouer plus de 2 couleurs. Point. Dans One Piece, c'est ton leader qui va décider de tes couleurs, et pour l'instant on a des leaders monocolores et des leaders bicolores, et les leaders bicolores ont moins de points de vie que les leaders monocolores. Dans Flesh and Blood, ton leader, ton héros, il est restreint à un type de carte, c'est-à-dire que si tu joues un warrior, tu peux jouer que des cartes warrior ou que des cartes qui sont génériques. Et en plus de ça, si ton héros est plus fort que... Enfin, si ils ont décidé que ton héros serait plus fort, il a moins de points de vie. Et donc, du coup, tu sais qu'en début de partie, ça va être plus... enfin, que la partie va être plus compliquée. Dans Magic, on avait la color pie pendant un moment. Enfin, pas pendant un moment, mais on a la color pie. C'est la color pie, en fait, qui est censée décider du game design de Magic, à mon sens. En tout cas, la manière dont j'analyse Magic. Et le fait qu'il y a la color pie, mais qu'en contrepartie, ils aient inventé les fetch, à l'époque où ils ont sorti les fetch, il n'y avait que les Ravlands qui existaient, et du coup, c'était ok-ish.
Mais là, ils continuent de nous sortir des landes, notamment, bah, on a parlé des triomes, mais ils ont sorti des triomes qui ont tous les types et qui font du coup les trois couleurs. Ok, ils arrivent en jeu engagé, mais c'est pas le propos. Mais on a les triomes qui font les trois, qui ont les trois types, du coup, qui sont très 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 facilement fetchables et qui en plus, du coup, peuvent aller élargir un peu votre color, enfin votre la colorité de votre deck pour aller chercher des cartes un peu corner ou des trucs comme ça. Et on a du coup, bah là, tout récemment, dans Karlov, on a eu les, je sais même pas comment on les appelle en ce moment, les Karlov Land ou les Surveil Land. Les Surveil Land, c'est un peu plus joli. Ouais. On a les Surveil Land qui sont sortis et qui ont le double type. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, on continue en fait de dire, c'est ok jouer des couleurs que t'es pas censé jouer dans ton deck. C'est-à-dire que tu joues Soul Tide et tu veux splasher du rouge parce que tu veux jouer, je sais pas, Tribal Flame dans ton deck. Bah c'est ok parce que on te donne les outils pour ça. Et du coup, il y a cette espèce de message un peu ambivalent. J'espère que quelqu'un me dira que j'ai tort et que je suis bête dans les commentaires. Mais moi, ce que je vois, c'est un paradoxe où on nous dit, il y a la color pie. La color pie, ça veut dire, les couleurs, elles font tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, et elles peuvent pas trop en sortir, ou en tout cas, ça a un coût. Et d'un autre côté, on a les fetch, les triomes et tous les lands qui ont les types, et qui nous hurlent au visage en disant, c'est ok si vous jouez rouge, mais que vous jouez d'autres couleurs parce qu'il y a des choses que rouge ne peut pas faire. C'était un long monologue, je sais pas ce que t'en penses. Non, mais je te rejoins, c'est super intéressant. J'avais pas forcément pris cet axe-là, mais effectivement, je te rejoins. Voilà, je suis un détracteur, quoi penser de Mana Confluence et de Cité des Rangs, par exemple? Est-ce que c'est des cartes qui ont un rapport gain-coût qui est, selon toi, équilibré ou pas? Ça dépend du format. En commandeur. Oui, en commandeur, mais tu vois, j'ai essayé de parler un peu de tous les formats, tu vois, en fait, en donnant ça. J'essaie juste de parler de Magic à son global, et on va prendre Mana Confluence, par exemple, parce que Mana Confluence, c'est la carte qui est la plus légale, en fait, parmi celles que tu as citées. Mana Confluence est un peu jouée en pionnière. Je crois pas qu'elle soit jouée du tout en moderne, mais c'est parce qu'elle a pas les types et que 5C Domain veut avoir les types, donc la raison pour laquelle elle est pas jouée, c'est ça. Le coup en pionnière moderne, je trouve qu'il est ok, parce que tu vas perdre un point de vie à chaque tour et du coup c'est chiant, mais c'est acceptable. À la différence de en commandeur où les parties sont plus longues et du coup pour moi le 1 PV que tu vas perdre à chaque tour, le coût est ok, c'est balance, c'est à dire que c'est juste, c'est ce qu'il faut. C'est à dire que sur une partie où tu vas avoir 14 tours, t'as vraiment pas envie de jouer en premier land, même si ça va te fixer tes couleurs. Bah il y a un vrai coût en fait à jouer en premier land parce que tu sais que tu vas prendre un à chaque fois. C'est comme les pain land, tu vois, les pain land, je trouve que c'est, ils sont bien aussi, ils sont très équilibrés, ils sont corrects en termes de cartes. C'est-à-dire qu'en début de partie, bah, tu vas plus difficilement les jouer parce que tu vas vouloir avoir tes couleurs. Et en fin de partie, bah, quand tu vas vouloir lancer des gros spells, tu t'en fous parce que t'as ton mana incolore. Donc c'est pas grave. Mais si tu veux enchaîner plusieurs sorts et du coup faire plus de choses dans ton tour, bah, tu vas peut-être avoir besoin de ce mana coloré en plus qui est sur ton painland. Et du coup, tu vas prendre ce dégât en plus qui va te faire un peu mal parce qu'on est en fin de game. Et du coup, en fin de game, bah, tu vas te retrouver plus facilement à 20-15 points de vie. Et ce point de vie en moins, bah, il va compter un peu plus, quoi. Ouais, c'est très intéressant parce qu'effectivement, en t'écoutant, je me rends compte que l'impact de cartes comme Mana Confluence, dans un format comme le Pionnier, c'est plutôt un land que tu veux bien avoir en début de partie pour te stabiliser le plus possible. Et en fin de partie, ça va être un land que tu vas éviter d'utiliser parce que bah, tu vas être au point de vie près, quoi. Là où en commandeur, bah, plus tu vas le jouer tôt finalement, plus ça va être plus t'es puni. Plus ça va être un land qui va te punir. C'est un land qui potentiellement, si ta game dure longtemps, c'est peut-être qu'il t'aura fait perdre 10 PV à lui tout seul, quoi. Et c'est pas rien. Ah non, c'est littéralement un quart de tes points de vie de base. Mais c'est assez énorme. Je pense que dans les faits, il infligera peut-être 6 ou 7, parce qu'au bout d'un moment, tu vas le jouer un peu plus avec parcimonie. Enfin, tu vas l'utiliser un peu plus avec parcimonie. Mais enfin, le nombre de fois où je me suis séché à coup de mana crypt, c'est à coup de mana crypt
ancienne tombe, pardon, à coup d'ancienne tombe. C'est assez compliqué. C'est un land qui vraiment bon, punit deux fois plus fort, mais t'es très content de l'avoir en tout début de partie pour jouer ton général à des tours indécents. Mais en fin de partie, bah, c'est une carte que j'engage presque plus trop à mes risques et périls, quoi. Je suis en train de penser à ce qu'on disait juste avant sur Cité des Reins et Mana Confluence. Je trouve que Cité des Reins, du coup, est mieux, parce que Cité des Reins, même si tu l'engages en ayant Lanterne Chromatique sur le board, bah, tu prends quand même un. Alors que Mana Confluence, non. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ou Urborg, ou... Ouais. Ah oui, Urborg aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Alors que... Eh non, non, ouais, d'accord. Bon, bref, c'est une petite diversité de pensée. Du coup, je suis d'accord avec toi. Je trouve que... même si on peut, enfin, tu vois, voilà, c'est pas des designs qui me fascinent, ça reste quand même des landes que je trouve, ça me va, ça me va qu'ils soient accessibles. De la même façon, les terrains type Reflecting Pool ou Exotic Yorkshire, j'arrive pas à le prononcer, mais bref, ces terrains-là, je les trouve très très chouettes parce que ils sont dépendants d'autres choses sur le board. Je pense que ça fait partie des designs de land 5 couleurs, enfin de land qui peuvent potentiellement faire les 5 couleurs, parmi mes designs préférés, quoi. Reflecting Pool, j'aime beaucoup beaucoup de design et j'aimerais que ça soit beaucoup plus édité que ça. Bah, Reflecting Pool ou Exotic Orchard aussi, c'est rigolo. J'aime bien le... Ouais, ouais, c'est ça. Ça c'est rigolo aussi. Vas-y, je vais m'entraîner à le dire, Exotic Orchard, c'est ça? Ouais. J'arrive pas à le dire. Si, c'est ça, Exotic Orchard. Ou Orchard si tu veux, mais je crois qu'on dit Exotic Orchard. Ok. Dernier exercice de pensée, j'ai eu une fulgurance. Attention, t'es prêt, je vais rework les fetch. Ouf. Le fetch, il te dit, tu l'engages, tu le sacrifies, tu vas chercher un land qui a un des types, donc île ou plaine par exemple. Tu payes pas de points de vie. Ouais. Mais le land que tu vas chercher, il arrive avec un marqueur, à chaque fois qu'il est engagé, tu perds un point de vie. Ouf. C'est raide, hein. C'est raide. En gros, tu vas chercher des entre guillemets des mana confluence. Quoi. C'est ça. Ah, c'est intéressant. Bon après, je pense que c'est un peu trop vénère, mais. Bon, c'est peut-être un peu trop vénère. Et puis après, en termes de game design pur, c'est chiant à traquer. Oui. Là-dessus, on est d'accord. De la même façon, alors il y a des landes. Je sais que tu les apprécies. Moi, j'ai un peu du mal. C'est notamment les portes ou les terrains, tu sais, qui arrivent, tu choisis une couleur et ils font une couleur de base et plus la couleur que t'as choisi. Ils arrivent engagés. J'ai vraiment du mal avec ces cartes là parce que c'est hyper chiant à traquer. Ouais. Et que ça soit moi qui les joue ou un adversaire les joue, tour 28, on a vraiment, pour le peu que t'en joues un ou deux, Tu sais plus du tout ce que t'as dit ou faut le noter, quoi. Oui, c'est vraiment pénible. Hein. Je sais que des fois il y a des gens qui posent un dé dessus, mais en général il y a un moment dans la partie tu fais putain pourquoi j'ai mis un dé là, tu mets de côté, tu fais merde. Et plus tard dans un tour, pourquoi j'en retire mon dé. Non mais c'est assez. Bref, c'est, pour moi c'est vraiment des trucs qui fonctionnent très très bien sur Magic Arena. Mais là, c'est vraiment pénible à traquer et c'est pas un design que j'apprécie. Moi, c'est des landes que j'aime vraiment beaucoup, mais pour le limiter. Oui. Ouais, ouais, pour le limiter, je trouve que ça apporte énormément de possibilités, notamment pour le cube par exemple, ou le draft évidemment, mais moi j'en ai mis un de chaque dans mon cube unstable parce que t'es quand même content de pouvoir fixer un peu tes couleurs et des fois tu sais pas quoi prendre et tu prends ça et t'as au moins un bilan dans tes couleurs, quoi. Et c'est. Ouais. C'est plus permissif. Je suis d'accord que ça a du sens, mais ça reste pour le peu que t'en joues deux. En fait, le problème, c'est que dès que tu commences à en jouer deux sur le board, ça, tu vois, tu te rappelles de la couleur que t'as dite si t'en as cité qu'une. Mais si t'en as joué deux, putain, c'était lequel déjà? Alors attends, lui j'avais dit noir, lui j'avais dit bleu. Après, pour défendre encore un tout petit peu la carte, j'ai deux contre-arguments. Le premier contre-argument, c'est que bah, en général, c'est des games qui durent moins longtemps, donc t'as moins besoin longtemps de t'en souvenir. Et le deuxième contre-argument, c'est qu'en général, dans ton deck de limité, tu sais que t'as fait un deck de couleurs où, à la rigueur, t'as splashé une troisième couleur et du coup, tu sais que tu as les couleurs à peu près que t'as choisi. À peu près.
Non, non, mais t'as raison. C'est-à-dire que j'en ai plus de mauvais souvenirs dans les parties de Commander, ouais. Notamment parce qu'il existe des versions portes de ces cartes-là que je suis amené à jouer. Et ça m'emmerde. Hein. Bah, faut prendre des notes à côté sur un post-it. Hein. C'est ça. Tu sais, je me sers des cartes tableau blanc, là, Ultimate Guard. Ouais. Pour prendre des notes, je note plein de trucs dessus, notamment les trucs dont j'ai à me souvenir. Tu vois, par exemple, quand je prends le contrôle d'une carte d'un adversaire, bah, je vais la noter. Parce que ça arrive trop souvent que t'es les mêmes pochettes, ou même inversement, hein, qu'on embarque mes cartes. Je me suis fait tirer un champ d'Edriette comme ça. Mais, ou une proxy. Un vrai champ d'Edriette, ça m'a bien saoulé, mais non. C'était involontaire. Mais c'est pénible. Et effectivement, tu vois, avoir ces petites cartes où tu dessines tes tokens, dessus, je prends aussi quelques notes. Mm. Et du coup, ça marche bien et ça oublie. Aussi, tu n'oublies pas forcément tes triggers, vu que tu peux te les noter. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. On passe en outro ? Ouais ! Ça marche. Si vous êtes resté avec nous jusqu'au bout, vous savez ce qui va se passer. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Et pour la fin de l'épisode, on essaie toujours de vous proposer une petite œuvre culturelle, un truc qui nous a marqué. Ça peut être n'importe quoi, comme d'habitude. Une bière, un plat, un tableau, un jeu vidéo, un manga... Un dessin de votre nièce. T'avais l'air d'être ultra chaud, Nox. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Ouais, alors, moi, il y a un petit programme court dont j'ai envie de parler. Il se trouve que j'ai fait découvrir ça à un coloc. Et genre, dès qu'il y a un nouvel épisode, on est à fond. Ça s'appelle Fleur Bleue. Fleur Bleue, du coup, c'est un programme court qui met en scène Fleur et ses différents coups d'un soir. Dans un seul et unique décor, donc elle a plusieurs hein, coups d'un soir, chaque épisode est lié à un coup d'un soir qu'elle rencontre, et donc du coup tout se passe dans sa chambre, et à chaque fois c'est un peu des archétypes de mecs, et du coup c'est toujours très drôle. Ce que j'aime beaucoup avec cette mini-série, c'est que c'est super bien écrit. Je trouve le personnage principal très attachant, les personnages secondaires tout aussi attachants. C'est des situations qui arrivent à être drôles et en même temps plutôt réalistes. C'est-à-dire que la sexualité, y a toujours un semi-tabou sur ces choses-là. Et il y a toujours des situations qui sont... qui mettent un peu mal à l'aise, et du coup c'est assez rigolo de mettre ça en scène, et donc voilà, c'est super bien écrit, les dialogues sont vraiment cool, l'acting est très cool, et je trouve que ça nous aide un petit peu, enfin moi en tant que mec, ça m'aide un peu à me mettre dans les baskets de la sexualité d'une nana, et à la fois qu'elle évoque ses difficultés, bref, ça génère énormément d'empathie sur ces galères un peu du quotidien, et c'est ce que j'ai tendance à appeler du féminisme intelligent. Alors, pas qu'il y ait du féminisme bête, c'est pas ça, c'est que en fait c'est du féminisme qui va chercher à générer de l'empathie, c'est-à-dire on n'est pas là on n'est pas là à essayer de te culpabiliser, on est là en train de te proposer de te mettre à la place de quelqu'un. Et je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé parce que, tu t'attaches à la personne et tu comprends ses enjeux et pourquoi elle est déçue, pourquoi elle est contente. Et des fois, c'est aussi un personnage qui est con parce que elle a décidé d'avoir une lubie et de faire parler son ego avant ça et tout machin. Mais voilà, t'arrives à t'attacher à ce personnage-là, et c'est trop bien. Et ça aborde plein de thématiques, sur le ton de la blague, hein, qui peuvent être la politique, la parentalité, les préjugés, bon, aussi l'égalité des sexes, et il y a même un épisode sur l'écologie qui est absolument délire. Et tout ça à travers ses coups d'un soir, et c'est trop bien. Ok, cool. J'ai dit que je regarderais, j'ai pas encore regardé, mais je vais m'y mettre. D'abord, je termine les 8 saisons de Monk, et après, je regarde.
Alors moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un truc vraiment très différent de ce que je fais d'habitude. Bon, comme vous savez, moi j'adore regarder des œuvres culturelles. Je suis un gros bouffeur de jeux vidéo, de manga, de bandes dessinées, de séries et tout ça, de jeux de société, de trucs narratifs, un peu de tout. Et je suis pas sûr que ça soit lié, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose de complètement différent et de faire un peu de propagande pour quelque chose qui existe et dont je suis atteint. Et alors c'est pas de l'autisme, mais c'est une pathologie. Je suis pas sûr que le nom ça soit vraiment une pathologie, mais en tout cas c'est quelque chose. Ça s'appelle l'aphantasie. Alors l'aphantasie, ça s'écrit A-P-H-A-N-T-A-S-I. Et en gros, l'aphantasie, c'est une pathologie qui rend la personne qui en est atteinte incapable de se figurer une image mentale. Alors, dit comme ça pour les gens qui l'ont pas, c'est difficilement compréhensible, mais en gros, pour résumer le truc, quand je ferme les yeux, il fait tout noir. Je suis incapable de me représenter quelque chose dans ma tête. Je ne vois pas de choses dans ma tête. C'est-à-dire que si vous me dites visualise une pomme, ben je sais ce que c'est une pomme parce que je suis pas complètement con. J'y associe plein de concepts, mais je ne peux pas visualiser une pomme dans ma tête. C'est quelque chose qui m'est impossible. Et à ça, il y a aussi les quatre autres sens, c'est-à-dire que je peux pas me figurer des goûts dans ma tête, par exemple. Évidemment, si je mange du chocolat, je sais que c'est du chocolat. Pour les sons, c'est encore un peu différent. Je pense que ça va être un spectre. Il y a des sens où c'est plus touché, l'autre c'est moins touché. Le sens du toucher, par exemple, incapable de me figurer à quoi ça ressemble du velours dans ma tête, le mouillé, le chaud, le ce que vous voulez, etc. Et c'est comme ça pour les cinq sens. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est une pathologie qui a été découverte très, 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 très récemment. C'est-à-dire que c'est difficile d'en parler. Enfin, c'est difficile, en fait, de se rendre compte qu'on en est atteint. Parce que, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça et du coup... je vois pas pourquoi est-ce que je fonctionne, enfin pourquoi est-ce que ça marcherait différemment. Et à la différence de la vue par exemple, c'est pas quelque chose qu'on peut comparer avec d'autres gens de manière simple. La manière dont ça a été découvert, c'est ça qui est assez rigolo, c'est en 2015. Et donc c'est vraiment récent. En 2015, en gros, il y a une personne qui a eu un accident de voiture, si je me trompe pas. Et le mec s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus visualiser des choses dans sa tête. Et en fait, il est devenu aphantasique. C'est-à-dire qu'il ne l'était pas avant, il l'est devenu. Et du coup, son médecin, en fait, a écrit un article. Et après, il y a eu une vague monumentale de patients qui sont allés voir leur médecin pour leur dire « Mais attendez, vous voyez quelque chose dans votre tête ? Il y a vraiment des images dans votre tête, c'est pas une manière de parler. » Et voilà. Et c'est pas quelque chose qui est handicapant, parce que moi, j'ai 32 ans et ça fait 32 ans que je vis avec et je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte relativement tôt, entre guillemets, je pense que c'était il y a une dizaine d'années, mais c'est que maintenant que je commence vraiment à explorer le truc un petit peu, et là je me suis engagé dans des programmes de recherche, parce qu'il n'y a pas de recherche, il y a très peu de recherches en fait qui sont faites dessus, parce qu'encore une fois, ça date de 2015, donc le temps que les choses se mettent en branle, c'est compliqué. Mais voilà, je voulais un peu vous en parler, parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, et qui... En tout cas, fait beaucoup parler autour de moi. Depuis que j'en parle avec les gens autour, c'est rigolo de comparer un peu les manières de fonctionner de chacun. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, vous n'aurez pas d'œuvre culturelle, mais vous aurez un petit message de propagande sur l'aphantasie. Alors, est-ce que je peux te poser du coup quelques questions ? Vas-y, moi ça me fait rire, j'adore ça. Ça m'interroge beaucoup. La première, c'est... est-ce que tu arrives à te projeter quand tu vois un plan de quelque chose ? Alors... Oui, je suis très bon en lecture de plan. C'est ça, je sais pas pourquoi. C'est trop bizarre. Et du coup, en fait, maintenant que je le sais, j'ai un diplôme d'ingénieur et du coup, j'ai fait beaucoup de lecture de plan et beaucoup de dessins industriels. Et je suis très bon à visualiser une pièce quand j'ai le plan devant moi. Et je peux te dire, tu vois, par exemple, si t'as mal projeté ta vue, tu vois. Alors t'as fait une vue de côté alors que ça sent... D'accord. Donc, en réalité, il s'agit plus de la projection à partir de quasi zéro. Non. D'accord. C'est de la projection sans support. Non. Je peux pas visualiser quelque chose. D'accord. Mais est-ce que tu peux visualiser une pièce à partir du plan ? Je visualise pas la pièce, mais je la conceptualise. C'est super dur à expliquer. Il y a pas de mots pour ça. C'est trop bizarre. D'accord. Donc, tous les concepts... est-ce que tu connais le concept du palais mental ? Ouais.
Du coup, j'en déduis que c'est un exercice que tu pratiques pas. Bah, en fait, c'est quelque chose. J'en ai entendu parler la première fois dans Sherlock, la série de Stephen Moffat, et c'est quelque chose qui me fascinait. Et du coup, je me suis forcé à essayer de. Bah, en fait, je me suis entraîné à ça, et je me suis dit putain, mais c'est trop stylé. J'ai trop envie d'avoir un palais mental, et je n'y arrive pas. Et en fait, je n'y arrivais pas. Et je me suis dit bon, bah ok, c'est pas pour moi parce que voilà quoi. En fait, non, c'est pas pour moi, pas parce que j'y arrive pas, mais parce que je ne peux pas en fait. D'accord. Alors. L'autre question, elle cherche un peu plus à détracter. À quel point tu penses qu'il y a un effet Barnum, c'est-à-dire que tu as découvert que ça avait un nom et qu'en fait il y avait des gens qui avaient écrit dessus. À quel point tu penses que voilà, c'est quoi la jauge entre ce que tu penses que t'es atteint et à quel point il y a un engouement sur la chose et donc du coup on a tendance à le voir partout. Alors, c'est de l'autodiagnostic. Donc effectivement, t'es pas le premier à m'en parler, à me dire attention. Enfin, personne m'a donné l'effet Barnum, mais en gros c'était ça, c'était genre de dire attention, t'es sûr que c'est ça et que t'es juste pas en train de t'auto-convaincre. J'ai une très mauvaise mémoire visuelle et j'ai des potes qui me disent que t'es sûr que c'est pas juste ça quoi. Il y a des tests qui existent, mais c'est de l'autodiagnostic encore une fois. Et c'est plus dans l'idée, si tu veux, je vais pas te faire passer ce test, mais je vais te poser quelques questions et tu vas me dire. Si je te dis, je te dis un bord de plage. Ouais, j'ai vécu à côté de la mer, donc j'ai pas trop de soucis. Ok. Du coup, un bord de plage pour toi, c'est quoi dans ta tête? En fait, je vais le ramener soit à l'image photographique que j'ai, soit à carrément la mémoire des moments vécus et des plages que j'ai le plus fréquentées. Tu vois, typiquement, tu m'as dit bord de plage, j'ai automatiquement pensé à la plage à laquelle j'allais le plus souvent quand j'étais ado. Et j'ai une image très concrète de ce à quoi elle ressemble. Et si tu fermes les yeux, tu peux la voir et tu peux. Est-ce que tu peux t'y promener? Totalement. Tu peux t'y promener, tu peux. Totalement, je suis même. J'ai même une idée de comment sont branlés les rochers, où est-ce qu'ils sont. Après, bien évidemment, c'est flou. Enfin, ouais, bien sûr. Ça reste que de la mémoire. Mais j'ai une image très concrète de même. Ma main dessus, tu vois. Okay. Genre vraiment, sans trop de soucis. Okay. J'arrive vraiment à me rappeler de ces choses-là. Moi, si tu me parles d'un bord de mer... C'est vraiment de la mémoire, c'est pas de la projection... Ouais, bien sûr. Comment dire, c'est pas de l'imagination de zéro, quoi. Ça marche. Moi, tu me parles d'un bord de plage, j'associe énormément de concepts, mais je n'ai pas l'image. Je suis déjà allé à la mer, je suis déjà allé plein de fois à la même plage, et je suis infoutu de la visualiser. Je peux te dire je me souviens que la plage est très grande et que du coup la mer est un peu loin, mais la mer est profonde, donc du coup je me souviens que je pouvais m'y baigner. Je me souviens que c'est une plage qui est très particulière parce que c'est une plage où le sable était assez gros. En fait, les grains de sable devaient faire un petit millimètre, tu vois. Je peux y associer des choses qui est à côté parce que c'est le Raku qui est à côté de Perpignan, qui est à côté de Collioure, et je sais que Collioure est réputé pour ses anchois et pour ses algues. D'accord, ok, donc c'est vraiment du concept. Okay. Et du coup, je peux, tu vois, et tu me parles de bord de plage. Moi, avant de penser à un endroit, je pense à plein de choses qui sont attachées. Bord de plage, pour moi, c'est l'eau de mer, le sel, le sable, les vacances, les accessoires que tu vas prendre pour y aller, etc. Mais je n'ai pas d'image. Je n'ai littéralement pas d'image dans la tête, en fait. D'accord. Alors, tu disais que ça affectait les cinq sens. Moi, typiquement, si je devais raconter ma vie, mon sens le plus développé, c'est certainement l'odorat. J'ai une mémoire olfactive qui est assez dingo, au point où j'arrive des fois à reconnaître la personne qui rentre dans la pièce sans la voir. T'es un chasseur. Juste à l'odeur, je suis un peu balèze, mais je suis aussi pas mal sur le goût, dans le sens où je pense que ma question va dans ce sens là. Est-ce que t'arrives à t'imaginer par exemple le goût d'un agrume, notamment le citron, parce que moi automatiquement dès que je me projette j'ai les glandes salivaires qui sécrètent. Ok. Juste en pensant au citron. Ok, non. Le seul où j'y arrive, c'est le son. C'est-à-dire que j'arrive à avoir une musique en tête, ou j'entends ma propre voix dans ma tête, ou ce genre de choses. Mais... Tu salives quand t'entends de la musique? C'est bizarre.
Non, non, mais je, ça m'arrive de saliver ou d'avoir faim, tu vois, en pensant à quelque chose. Mm-hmm. Tu vois, genre j'ai faim et je suis en train de penser à un burger ou à un truc bien gras sa mère. Ouais, ok, j'ai faim et je salive un peu. Mais je peux pas me figurer le goût du citron. Je sais que le citron c'est jaune, c'est acide, il y a une écorce, il y a de la pulpe, tu t'en sers pour faire de la limonade. Enfin, tu vois, en fait, c'est des concepts à ouais, chaque d'accord, fois. Okay. En fait, c'est... Mm-hmm. Si tu veux, je pense qu'il faut imaginer ma mémoire comme étant une énorme base de données où tout est relié. La dernière fois, j'en parlais avec un pote et on parlait, tu vois, il me donnait un truc au pied, tu lui disais genre un lampadaire et le lampadaire, je l'associe à carne, tu vois. Il y a d'autres choses avant, évidemment, mais j'associe, tu vois, d'accord, à carne. La plage, t'aurais pu l'associer à Île Tropicale. Ouais, pareil, mais j'en ai pas et j'en joue pas, donc du coup. En fait, ouais, ça me fait plus marrer que carne parce que l'illustration alternative japonaise, on le voit en train de plier un lampadaire et ça me fait marrer, tu vois, c'est tout. Ouais, je vois très bien l'idée. Ok. Donc voilà. Bon, c'était un peu long, mais c'était pour parler un peu de ça et je trouvais que ça avait. Pas que c'était quelque chose qui était plus ou moins. En tout cas, que c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'ai envie que la recherche avance là-dessus et que que ce soit un peu plus reconnu, pas comme un handicap, mais juste comme une pathologie, en fait, parce que... Donc, l'infantaisie. La fantaisie. Ah. La fantaisie. Ouais. Okay. L'apostrophe à fantaisie. D'accord. Et c'est quoi ton nom de famille? Oui, c'est rigolo, hein. Ça ressemble un peu. Ça ressemble carrément. Allez. Bon, et ben, merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout si vous avez tenu pendant cette longue outro. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. Et si vous avez des questions, vous avez pensé qu'on avait raconté d'énormes conneries, ou au contraire, vous pensez qu'on avance dans le bon sens, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des billets doux en MP, sur le Discord de Magic C'est Chic, sur Twitter, un peu partout, on est partout. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous, ça nous fait très plaisir. En attendant, bah, on vous souhaite plein de bons top deck. Et pas trop de manades. C'était le Pince-Crâne, bisous. Salut.